La France est devenue une véritable terre de MMA, avec plusieurs grands talents capables de briller sur la scène internationale. D'ailleurs, le manager de Khabib Nurmagomedov vient de dévoiler le meilleur combattant à ses yeux. Et surprise, il ne s'agit pas d'une star UFC ou de Cédric Doumbé. Il faut être aveugle pour ne pas voir l'explosion du MMA en France ces dernières années. Depuis le premier FC Paris, ce sport autrefois qualifié de barbare se fait une vraie place dans la culture populaire, avec en point d'orgue la victoire de Cédric Doumbé pour ses débuts au PFL. Forcément, certains essaient de se positionner sur un marché qui est prêt à exploser, comme le manager de Khabib Nurmagomedov. Ali Abdelaziz encense Saladin Parnasse. Ali Abdelaziz, le manager le plus influent de la planète MMA, a visiblement décidé de mettre un pied en France en accordant une série d'interviews à des médias locaux. Une proposition qui a forcément fait réagir quelques acteurs importants du milieu, et notamment le coéquipier d'entraînement de Cédric Doumbé Saladin Parnasse. Abdelaziz lui a répondu, en lui faisant le compliment ultime. Cyril Gane et Manon Fiorot sont les Français le plus proche d'une ceinture à l'UFC. Benoît Saint-Denis s'impose comme une nouvelle grosse star chez les poids légers, quand Cédric Doumbé et son KO en 9 secondes ont fait le tour du monde. Mais pour Ali Abdelaziz, personne n'est au niveau de Saladin Parnasse. Une réponse surprenante, mais peut-on vraiment le contredire? Car Parnasse est un double champion au KSW, l'organisation la plus disputée d'Europe. Et dans quelques semaines, il aura l'occasion d'écrire l'histoire du sport. En effet, il va encore monter de catégorie pour tenter de décrocher un troisième titre en simultané. Un exploit potentiellement inédit. Même sans débarquer à l'UFC, il a une carrière XXL. Pour Ali Abdelaziz, manager de Khabib Nurmagomedov, Saladin Parnasse est le numéro 1 en France. Et de loin. Compliment sincère ou flatterie pour attirer le prodige dans la structure PSG MMA, qui devrait bientôt voir le jour.